Salut à tous, c'est Gabin Live. Aujourd'hui, on va voir comment régler le problème du stockage USB si vous n'avez pas de clé USB pour faire la mise à jour 8.50. Alors, quand vous êtes sur cet écran-là, vous faites précédent pour éteindre la PS4. Alors que s'éteigne vraiment. Donc là, ensuite, une fois que la PS4 est éteinte, vous restez appuyé une fois dessus. Vous attendez un bip. Le deuxième bip, vous relâchez et là ça va se mettre en mode sans échec. Là ils vous redisent de se connecter avec un câble et là beaucoup de gens font réinitialiser et réinstaller le logiciel système alors qu'en fait vous pouvez juste faire mettre à jour le logiciel système et le faire, attendez je fais la mise au point, la troisième, le faire par internet, voilà, mettre à jour par internet, vous faites X. Et voilà, c'est tout simple. Et je sais pas pourquoi Sony le présente pas dès le début. Il demande à tout le monde de faire par clé USB alors qu'en fait c'est tout con. Voilà, c'était Gabin Live pour une petite vidéo tuto. Je vous dis à bientôt.